Ông cứ cho. Please be seated. Ông. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And we'd like to give the floor once again to the lead co-lawyers for all parties to continue presenting their key documents. La suite de sa présentation des documents clés. You may proceed. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais maintenant évoquer la politique qui concerne les mesures dirigées contre des groupes spécifiques. That were directed at specific et groups. Je vais tout d'abord évoquer les groupes qui avaient été désignés dans cette politique par les Khmer Rouges. In that policy je vais d'abord évoquer le document D246/10. Il s'agit d'une partie civile qui se trouvait à Preiveng et Preiveng. Je vais citer deux extraits. And I will quote ERN en français 00 38 11 28, en anglais 00 37 32 30, et en Khmer 00 38 10 10 20 20. Et page suivante pour le deuxième extrait. For the second extract. Cette partie civile dit ceci, this je cite, civil party says the following, l'Ankar a distribué des kramas bleus et blancs à tout le monde, distributed blue puis and white nous avons kramas to attendu everyone, une journée and et we nous waited sommes montés dans un camion militaire chinois and boarded pour aller a Chinese à la gare ferroviaire. Truck to go to the nous sommes montés railway dans station. Le train pendant la nuit. We boarded et the train voyagé at de night longues heures. And traveled over long hours. Quand nous sommes arrivés dans le district de Bakan, in Bakan, il faisait à nouveau district, nuit. It was nous avons nightfall. Reçu de la nourriture we quand nous sommes montés dans le train. When we boarded the train. Et à une question qui est posée and par le juge d'instruction, is put to the civil party by the co-investigating judge, qui demande who, parlez-moi des kramas blancs et bleus. Wanted to know, la partie civile répond, je cite, who told the civil party les personnes qui recevaient des kramas blancs kramas et bleus and the civil étaient les gens de l'Est the du Cambodge blue and white qui devaient être tués. Were people from the east of nous Cambodia étions la cible considérée comme l'ennemi we were the target parce que nous étions proches de la frontière vietnamienne we were close et considérés to comme des amis des Vietnamiens. And les Khmer Rouges ont distribué des kramas pour identifier et reconnaître ceux qui allaient être tués. Identifying and knowing the persons who had to be killed. Autre déclaration de parti civil, this is another statement by civil party D22/33. Cette partie civile se trouve à Takeo. Resided in Takeo. Et cette partie civile and évoque les bouddhistes. This civil party ERN en français talks about Buddhists. 00 the French ERN is 00 90 14 77. Anglais. In English, the ERN 00 is 00 33 33 21 21 96 96. Et Khmer. And in 00 Khmer, it is 00 27 27 97 97. 67. Et cette partie civile dit ceci, je civil cite, party states as follows, and I quote, après le nouvel an Khmer, la pagode Khmer de Phnom Chmar est devenue une prison où prison, les gens qui étaient considérés comme des ennemis, ouvrez la parenthèse, enemies, les ennemis de l'Ankar, fermez la parenthèse, étaient torturés. Close the parenthèses, comme il y avait de nombreux moines à la pagode de Phnom Chmar, ils ont à nouveau été convoqués pagoda, pour être rééduqués. Summoned L'Ankar to come forward for re-education. Ankar moi et d'autres forced à cesser d'être moines. Myself and others to stop being monks. Je vais évoquer maintenant of quote, la partie civile I will now D22 refer to civil party D22/3675 small qui est Cham, a. Et qui this se trouvait à ce moment-là a à Kampong Chnang. And that person was at the time in Kampong Chnang. ERN en français. The ERN in 00 French is 00 89
41 18 18 anglais in English 00 00 89 89 10 10 63 63 et Khmer and in Khmer 00 00 58 58 8 4 8 5 4 6 5 6. Cette partie civile dit ceci. This civil party says as follows, and I quote. La religion, la tradition, religion, et tradition, les coutumes des Khmer musulmans the customs ont été interdites de pratique Muslim à Khmer tout prix par les Khmer rouges. Forbidden. Il était interdit de pratiquer la religion, Khmer Rouge. It was de saluer Dieu. To practice ils nous ont forcés à manger and du porc. To God. Ils ont forcé they forced les femmes us à se faire couper pork. Les cheveux they très courts. The women to cut their ils ont hair interdit very short. De parler le cham. They forbade us ils ont détruit to speak la planche que nous utilisions pour saluer notre Dieu. Ils sont montés dans toutes les maisons des chams pour chercher they le Coran et d'autres livres all the écrits en cham look for the dans le Quran but and de other les books détruire. In cham ils ont brûlé in order des mosquées to them. Et les ont transformés en entrepôts pour les and vivres. Transformed them into warehouses. Je vais citer maintenant la partie civile D246/15 who was at Pursat et qui évoque la situation des Khmer Krom. Who refers to the situation ERN of the en français Khmer Krom. The ERN in French is 00426390. En anglais, 00 in English, 00 38 86 20. 8 en 6 Khmer, 20 in 00 Khmer, 00 58 35 35. Cette civil party says the elle following, répond à une question du juge d'instruction. Response to a question put to pourquoi avez-vous été arrêté dans le courant du mois de septembre de l'année 1977? Réponse. Answer. Parce qu'à ce moment-là, les Khmer Rouges ont commencé à espionner les habitants afin de chercher les Khmer du Kampuchea Krom qu'ils ont accusés d'être affiliés aux Vietnamiens, fermés les guillemets. To the j'ai Vietnamese. Été arrêté et envoyé au centre de détention situé dans le village de Via. Center, situated in Via village. End of quote. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/2011. Il s'agit d'une partie civile qui this se trouvait à Pursat. Resided in Pursat. Et il s'agit là de la situation des and anciens soldats the civil party de l'ONU. To the situation of former soldiers ERN en of français, the ERN in French 00 9 00 00 237. Anglais in English, 00 00 89 89 36 89 89 et Khmer, in Khmer 00 00 54 54 1 7 1 7 0 7 0. Cette partie civile dit ceci. This civil party states as follows, and I quote. Durant la période de repiquage, during the les soldats et les miliciens Khmer season, Rouge soldiers surveillaient and constamment the Khmer les habitants Rouge déportés au village de Bac constantly Rhodes, inhabitants who were car ils étaient considérés comme le peuple du 17 they were considered as 17 April people. Ils continuaient à déclarer que ceux qui étaient fonctionnaires that those who were civil servants, étudiants, traders, devaient leur dire and la vérité students had to tell the truth pour pouvoir reprendre in order les mêmes fonctions. To be able to go au back fur et to à mesure, previous jobs. Les anciens fonctionnaires sont partis et ne as sont jamais went revenus. On, the former civil servants left and never returned. Je vais citer maintenant la partie civile D404/2/3.2. Point two statement. The President, the Council, could you please hold on and Council for Mr. Kusumpong, you may now proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Objection brève, en tout cas une question dirigée à ma consoeur.
Ce document en question, nous avons recherché dans le dossier. Il n'a évidemment pas de numéro 3, sinon nous le saurions. Il ne figure pas dans les notes de bas de page de l'ordonnance de clôture et il ne figure, non plus dans l'annexe, dans la liste des parties, ni des procureurs, ni des autres parties. Donc c'est un document nouveau dont nous demandons qu'il ne soit pas autorisé à être présenté dans cette audience. The legal lawyer should not be allowed to use Je vais demander qu'on cherche et qu'on vérifie qu'il figure sur nos listes. Je précise que comme beaucoup de constitutions de partie civile, il n'a pas encore été attribué de numéro E3 aux constitutions de partie civile. Je pense qu'en ce qui concerne ce document, il doit figurer sur notre liste, mais je pourrais vous dire d'ici quelques minutes, Monsieur le Président, si vous me permettez de vérifier. Cross-check, Mr. President, I can tell you for sure in a few minutes. Je peux peut-être continuer en attendant et mettre ce document de côté pour vérifier. I can perhaps continue with my presentation while we wait for the check to be carried out. The President, indeed, you may proceed to another document, please. Merci. Thank you. Je vais j'ai un petit doute, je ne sais pas si ma consoeur a objecté sur le document D22/2011 ou sur le document suivant que j'avais commencé à citer. Pour répondre, c'est le D404/2/3.2.8. Merci. Council, je vais it was the other enchaîner document. Sur un autre point de cette politique dirigée contre les groupes spécifiques, I shall continue with another et notamment on the sur l'objectif de cette politique qui était d'abolir toutes les différences. Et je vais maintenant citer la partie civile D22/164/164. ERN en français 00898349349 anglais English 00417861 et Khmer 00363690050. Je vais citer deux courts extraits de cette déclaration de partie civile. Je cite, à cette époque-là, les Khmers Rouges considéraient les Cham comme l'ennemi numéro un. Les Khmers Rouges avaient l'intention d'envoyer les Cham à leur mort en laissant la famine et la maladie s'installer dans les différents villages. Un peu plus loin, cette partie civile ajoute, je cite, 1976, les Khmers Rouges ont mis fin à la religion. L'islam était une cible importante de l'éradication. Les Khmers Rouges interdisaient strictement au peuple Cham de Sampea Siang, entre parenthèses, faire des prières, fermer la parenthèse, de parler Cham et interdisaient tous les us et coutumes Cham. Ouvrez la parenthèse, port d'écharpe de vêtements Cham, fermez la parenthèse. Les Khmers Rouges n'autorisaient pas les femmes Cham à garder les cheveux longs. Celles qui refusaient d'obéir étaient emportées et tuées. Obey by the Khmer Rouge orders were sent for execution. Je vais citer maintenant la partie civile D22/3849, ERN en français 00848071, anglais 00571043 et Khmer 00086839995. Cette partie civile décrit sa famille describes et les nombreux membres de sa famille the situation of et elle civil dit ceci, je cite,
La seule raison pour laquelle ils ont tous été exécutés était liée au fait que nous étions des Cambodgiens d'origine chinoise. That we were Cambodians of Chinese ethnicity. Je vais maintenant citer la partie civile D22/932a, qui est une partie civile de Ratanakiri, de minorité Tumpun. Is from the Tumpun minority. ERN en français. Was residing in Ratanakiri. 00 89 83 67 3 6 7. Anglais. English. 00 00 90 3 1 7 9 3 1. Et Khmer. 00 58 2 1 2 9 2 9. Et cette partie civile dit ceci, je cite, « Avant 1975, j'habitais dans le village de Tri, commune de La Beng, district de Lumpat, province de Ratanakiri, où vivaient des centaines de familles appartenant à la minorité ethnique Tumpun. Les membres de cette minorité croient aux esprits protecteurs, au génie et au site où étaient enterrés les cadavres de leurs ancêtres. Spirits, as well in la tribu Tumpun est dirigée par deux chefs, Krat Tieng et Krat Tun, chargés d'organiser les cérémonies religieuses durant lesquelles ils prient aux esprits protectifs de bénir tous les membres de la minorité. Au lendemain du 17 avril 1975, après leur arrivée au pouvoir, les Khmers rouges les ont forcés à abandonner leurs croyances religieuses, tandis que les deux chefs de tribu ont été convoqués à la rééducation par l'Angkar révolutionnaire et ont depuis disparu. Dès lors, les Tumpun au village de Tri n'ont plus osé pratiquer leur religion et leur rite. Les petites huttes dédiées au génie agraire et les forêts où étaient enterrés les cadavres ont tous été détruites. Je vais maintenant citer une partie civile de la minorité Jarai, D22/489 ERN 00 89 3691, anglais 00 89 1 2 7 1, et Khmer 00 57 57 7 1 3 1. Et cette partie civile dit ceci, après le 17 avril 1975, les Khmers rouges ont empêché de croire en l'animisme. Ils ont à l'époque nommé un Jarai appelé Run Chin, chef de la coopérative. C'était lui qui avait propagé l'information pour que les Jarai ne croient plus à l'animisme. En conséquence, ils n'ont plus osé dès lors organiser de cérémonies religieuses. Religious beliefs or ceremonies. Je vais maintenant citer la partie civile D22/1651a ERN en français 00 89 80 45 0 45, anglais 00 90 3 2 2 20, et Khmer 00 58 21 94. Cette partie civile se trouve alors à Kampong Cham et elle dit ceci: toutes les croyances et pratiques religieuses étaient interdites. Et un peu plus loin, elle ajoute: je n'ai pas eu connaissance de l'exécution des moines bouddhistes. J'ai toutefois su que les Khmers rouges les ont défroqués et les ont affectés à la base. Sent away.
Je vais citer maintenant la partie civile D22/2014, petit A. ERN en français 00-90-3105, Khmer, anglais plutôt 00-89-09-65, et Khmer 00-58-07-37. Cette partie civile évoque la religion bouddhiste et elle dit à la pagode de Damnak Trayon, je n'ai pas vu de statue du Bouddha ni les moines. La pagode était détruite. J'ai entendu les habitants dire que cette pagode de Damnak Trayon était une prison. Had been transformed into a prison. La partie civile D22/3518a. ERN en français 00-89-80-89, anglais 00-85-62-09, et Khmer 00-58-54-60. Dit ceci, les Khmer rouges nous ont forcés à manger du porc. Si nous refusions, ils nous tuaient. Personnellement, je me suis forcée à en manger. Les Khmer rouges disaient toujours, à propos du peuple Cham, que si l'un d'entre eux refusait de manger du porc, ils le tueraient. La partie civile D22/3532, petit a, ERN en français 00-891-055, en anglais 00-89-10-53, et en Khmer 00-58-54-27, dit ceci, la pagode Samrong à Tukmeas a été détruite pour en faire une cantine. Le temple est devenu une porcherie. Les musulmans étaient forcés de manger du porc, sinon cela aurait été la mort. Ils nous obligeaient à élever des porcs. Les livres du Coran ont été détruits. Les prières étaient strictement interdites au risque d'être tués. Pending a death penalty. Je vais maintenant évoquer un dernier aspect de cette politique à l'égard de certains groupes spécifiques, et plus particulièrement ce qui concerne les soldats et fonctionnaires de l'ONNOL. Je vais d'abord citer la partie civile D22/3 qui se trouvait à Siem Reap à l'époque. The civil party was living in Siem Reap. ERN en français 00-63-26-63-6, anglais 00-15-68-56, et Khmer 00-15-70-98, qui dit ceci. The civil party, le 18 avril 1975, des fonctionnaires de la province de Siem Reap ont été convoqués à une réunion tenue à la municipalité de la ville provinciale. Lors de cette réunion, on a déclaré qu'il exigeait qu'un certain nombre de fonctionnaires aillent suivre une formation pendant 3 jours pour aller accueillir Samdek Norodom Sihanouk et qu'ils n'avaient pas besoin d'emporter de bagages avec eux. On ne les a jamais vus revenir. À l'époque, j'étais réparateur de moto et non pas fonctionnaire. On ne m'a donc pas demandé d'aller à cette formation. Ces fonctionnaires ont été emmenés pour être tués, car j'ai vu beaucoup de cadavres dans les tranchées à Barai Tukla, qui avait été dans le passé un champ de bataille entre les troupes de l'ONNOL et celles des Khmer Rouges. Toujours sur cet aspect, je vais citer la partie civile D246/13.
ERN 00 42 41 00, anglais English 00 38 75 00, Khmer 00 38 50 96 50. Cette partie civile 96. Se trouvait à Pursat. Party was living in Pursat. Elle est interrogée par le juge d'instruction. Question. Est-ce que votre père était un militaire de l'ONNOG? Réponse. Il était un ancien militaire de Samdek EO. Par la suite seulement, il est devenu un militaire de l'ONNOL. C'est la raison pour laquelle les Khmers Rouges l'ont tué. Mon père n'a pas été le seul à avoir été tué. D'autres personnes ont été tuées de la même façon parce qu'ils n'ont pas réussi à y échapper. Simply because they could not escape their predicament. Je vais lire également encore sur ce sujet. Again, des soldats et fonctionnaires de l'ONNOL, un extrait de la déclaration de la partie civile des 22/1919, ERN en français 00 57 60 68, en anglais 00 84 21 72, et en Khmer 00 54 04 48. Cette partie civile se trouve également à Pursat, et elle dit ceci. Environ un mois plus tard, je suis arrivée au village de Toulprom, commune de Korko, district de Mon-Resey, province de Battambang. Peu après notre installation, à ce moment-là, sans doute au mois de juin 1975, mon père, Van Nan, a été arrêté pour l'exécution sans motif précis par les Khmer Rouges, dont le nom était méconnu. Ils étaient quatre à venir l'arrêter. Je ne les connais pas du tout. À ma connaissance, ils ont appris que mon père était policier durant le régime de l'ONNOL. En fait, il l'était. Plus tard, j'ai appris que mon père, Van Nan, avait été exécuté au pied d'une montagne située dans le district de Bakan, province de Pursat. Je voudrais également évoquer la partie civile D246/14. I wish to refer to civil party D246/14. Anglais 00 38 74 97, et Khmer 00 38 50 92, qui évoque des arrestations numbers. Et qui répond à la question suivante des juges d'instruction. Est-ce que, monsieur, vous savez les raisons pour lesquelles cette famille de Khmer du Kampuchea-Krom a été arrêtée? Réponse. Je savais que cette famille a été accusée d'être des Yun, autrement dit, des Vietnamiens. In other words, they were accused of being Vietnamese. J'évoque maintenant la partie civile D22/2066, ERN en français 00 89 40 13, en anglais 00 89 09 71, et en Khmer 00 54 45 36, qui se trouve à ce moment-là dans la région de Svay Rieng, et qui dit ceci: ayant entendu que les Vietnamiens ne tarderaient pas à arriver, les Khmers Rouges ont fait des enquêtes pour chercher des gens venant de Svay Rieng. Ils les ont emmenés et les ont tués. Même un bébé dans son hamac, ils ne l'ont pas laissé vivre parce qu'ils ont dit que les gens de Svay Rieng étaient vietnamiens. Were Vietnamese. Enfin, et j'en aurai terminé avec cette politique, j'évoquerai la partie civile D246/14.
qui répond à une question du juge d'instruction à propos de son frère, relative un bonze, to the civil party's arrêté brother, who was par les a monk Khmer Rouge. And arrested by the Khmer Rouge. Question, pourquoi question. Saviez-vous qu'on emmenait votre grand frère Long Vanny pour le How tuer you know that your réponse, elder brother Long je pensais qu'il était un intellectuel killed. Qui Answer. Critiquait souvent les Khmer Rouges. He was an intellectual c'était who pour cela qu'on l'avait emmené pour le exactly tuer. Why he was taken to be killed. J'en ai terminé avec cette politique. Your Honours, that brings me to conclusion on my presentation si of key documents on that particular policy. Je vais vérifier ce qu'il en est du document qui a été qui a fait l'objet d'une objection. I shall now comment on the document that we previously set aside, and that was the subject of the Kyusampon defense objection. On me dit que le document D404/2/3 .2.8 figure sur toutes nos listes et en particulier sur la liste du 4 mars including the list that dates back dans laquelle to the 4th il aurait reçu un nouveau numéro which has since received a new number which is D22/3820a. Si je peux évoquer rapidement ce document very briefly comment on this document. ERN en français 00 89 91 94, en anglais 00 60 78 01, et en Khmer 00 61 57 66. Cette partie civile dit ceci: mon père est venu à l'hôpital voir ma mère, son corps était encore tiède. Il a également été tué en 1977. Il était accusé d'être un capitaliste ou un féodaliste. Mon père était originaire de Chine. Ma mère était également chinoise. Mon père a été tué parce qu'il était chinois et parce qu'il était riche. And because he was tous les wealthy. Miliciens et cadres vivaient dans la même communauté que mes parents. Ils savaient qu'ils étaient chinois. J'en ai donc effectivement terminé avec cette politique et je vais enchaîner avec la politique des mariages forcés. Targeted groups and leads me to the presentation of key documents on forced marriage. Encore une fois, je vais reprendre les objectifs et les points principaux de cette politique de réglementation des mariages, autrement dit de mariage forcé, telle qu'elle a été analysée par messieurs les procureurs ce matin. Has been developed by et the co-prosecutor je vais this morning. Tout d'abord citer un certain nombre de parties civiles and I will once again concernant refer to ce qui constitue le premier élément déterminant de cette politique, c'est-à-dire que les mariages devaient être autorisés, réglementés et contrôlés par les autorités du parti, autrement dit par l'ANCAR. Je vais citer tout d'abord la partie civile D22/503. By quoting from D22/503, ERN en français 00 91 69 22. En anglais, 00 89 12 73, et en Khmer, 00 49 66 05. Cette partie civile dit ceci: fin 1978, on m'a forcé à épouser le camarade Seng Han qui a proposé à l'ANCAR le mariage. L'ANCAR a accepté sa proposition et a organisé le mariage lors duquel nous devions échanger nos vœux de mariage. Organized the ceremony, and that is where we exchanged la partie our vows. Civile D22
ERN en français 00 89 35 15, en anglais 00 89 12 74, et en khmer 00 49 66 50 et 51, je cite, states: heureusement, j'ai pu échapper à ce mariage forcé, mais je n'avais aucune chance de m'en sortir pour la troisième fois, parce que ce n'était plus Monsieur Young qui devait organiser le mariage, mais c'était quelqu'un d'autre. En effet, Monsieur Young avait été arrêté et tué par Lankar, qui l'avait accusé de trahison. He was accused of treason. Je vais citer maintenant la partie civile D22/64a, ERN en français 00 89 41 19, en anglais 00 89 12 82, et en khmer 00 57 82 36, qui dit ceci: je n'ai pas osé refuser parce que la camarade Hon m'a dit que personne ne pouvait échapper à cet ordre. Elle a dit, ouvrez les guillemets, toutes les femmes doivent obéir aux ordres de Lankar. Si l'une d'elles ose désobéir à ses ordres, elle devra être exécutée. Et la partie civile D22/16a, ERN en français 00 88 17 12, anglais 00 85 39 36 et 37, ainsi que Khmer, ERN Khmer 00 58 45 47 et 48. Cette partie civile qui raconte son mariage avec 60 couples, autres couples, her marriage along indique, with 60 other couples. Avant la cérémonie, les chefs nous ont fait un discours en nous rappelant qu'il ne fallait pas se laisser aller et qu'il fallait faire des efforts pour travailler au service de Lankar. Ils ont aussi demandé à tous les couples de s'aimer et d'être loyaux envers Lankar. Puis ils m'ont demandé de m'exprimer au nom des 60 couples présents. A few words on behalf of the 60 couples present. Je vais maintenant évoquer certaines directives et règles données to several directives par Lankar rules quant au mariage forcé et aux alliances et au statut politique des personnes with respect to qui marriages contrainte de se marier. Of those who were forced je vais into citer d'abord la partie civile E9/32.2.14, ERN en français 00 89 18 89, anglais 00 89 18 88, et khmer 00 67 81 81. Cette partie civile dit ceci: vers la fin de 1975, je travaillais au ministère des Transports, baptisé Centre S80. Un jour, le directeur du centre a convoqué tout le personnel à une réunion, environ 200 personnes qui y travaillaient, dont plus de 30 femmes. Un des trois présidents de la réunion, Mott, Pim et Pohn, a lu une directive émanant de la haute hiérarchie du régime. Je ne me souviens que de quelques points, à la ligne. And I remember one à partir d'aujourd'hui, les membres du centre S80 ne peuvent se marier qu'entre eux. Il y a des limites dans ces relations amoureuses. Il est interdit d'utiliser des mots doux comme « on » ou « bang », ouvrez la parenthèse, termes affectueux comme « chérie » en français, fermez la parenthèse, such as darling,
et de s'échanger des lettres d'amour. Les hommes du à la ligne à tirer, pardon. Les hommes du parti ne peuvent se marier qu'avec les femmes du parti. Men à la ligne à tirer. Les actes de mariage précédents ne sont pas pris en considération. Any previous marriages will not be taken into account. Parti civil D125/39 ERN en français 00 27 27 77 27 77 en anglais 00 English 00 22 55 33 55 33 en khmer and 00 00 19 68 24 68 24. The civil party states as follows. Tandis que les prisonniers condamnés de fraude morale ayant commis l'adultère, par exemple, seraient rééduqués pendant 3 mois. Were guilty of moral, les auteurs d'infractions, veufs ou veuves, ou bien célibataires, seraient demandés de se marier, ouvrez la parenthèse, c'était la politique du supérieur, fermez la parenthèse. From superior levels. End of quote. Je vais évoquer maintenant la partie civile D199/18 qui se trouvait à l'époque au ministère des Affaires sociales, ERN en français 00 34 22 08, anglais 00 34 52 28 52 28 et Khmer 00 34 95 55 55. Cette partie civile dit ceci, states as follows, and I quote, Madame Sou, ma responsable, a décidé avec l'aval de Yang Tirik que je devais me marier avec Vassal. That I had to à cette époque, sous le régime des Khmer Rouges, c'était les responsables, les chefs, qui décidaient de ce genre de choses. Nous ne pouvions pas choisir avec qui nous souhaitions nous marier. Pour ma part, j'avais une certaine attirance pour le secrétaire particulier de Yang Tirik, mais je ne pouvais pas m'opposer à cette décision et surtout, je ne pouvais pas me permettre de montrer ou d'avoir une relation avec un homme, car c'était un crime. Avant d'épouser Vassal, je ne l'ai vu que 2 fois. I only saw Vassal. Je vais citer maintenant la partie civile D278/2 à l'ERN en français 00 42 24 32, anglais 00 40 04 58, 00 40 00 39 00 87. Et cette partie civile qui répond à une question du juge d'instruction dit ceci, il n'y avait absolument personne qui ait osé refuser de se marier parce qu'il s'agissait d'un ordre de l'Ankar. Cependant, je ne sais pas ce qui est advenu à ceux qui se sont opposés à cet ordre. Les Khmer Rouges avaient un principe selon lequel les gens de la base ne sont pas autorisés à se marier avec les habitants nouveaux. C'est la traduction en français. End of quote. And this is a French Je vais maintenant évoquer une série de déclarations de parti civil I will now refer to a series qui démontre également un élément déterminant de cette politique dans son existence et qui font état du fait que l'Ankar dirigeait, contrôlait, organisait et définissait ces mariages forcés. Je vais citer la partie civile D22/139/1. ERN en français 00 89 83 44 et 45, anglais 00 86
38, 74 et 75, 74 et 75, 54, 00, 58, 04, 48 et 49. Cette partie civile dit this ceci. Party states as follows, and I quote, en avril 77, ouvrez la parenthèse, open avant le nouvel an Khmer Rouge, fermez la parenthèse, Khmer Rouge, le chef de l'organisation du parti du district de Bantay Neas, province de Kampot, dénommé Chab, Kampot province, est venu dans la commune de Totong pour organiser une cérémonie de mariage dans la coopérative du village de Tuol Kous. La veille de la cérémonie, un jeune chef de village est venu dire à chaque homme et chaque femme qui allait se marier qu'ils devaient absolument assister à une assemblée dans le réfectoire communautaire, car celle-ci serait présidée par l'organisation du parti du district. Un peu plus loin, cette partie civile ajoute further down in the statement, this la cérémonie a commencé avec un chef d'unité dénommé Hun, originaire du village de Prey Samnong, commune de Sre Chea, district de Kampong Trak, qui a lu l'ordre du jour et a déclaré que la cérémonie était ouverte. Agenda and ouvrez les guillemets et en italique, l'encar a un nouveau plan. Il doit organiser une cérémonie de mariage historique it has to organize et ceci est le premier de ces événements organisés par le parti de district dans le district de Bantay Meas. Ensuite, le chef d'unité a appelé l'un après l'autre les noms de femmes et d'hommes. Il y avait 42 couples au total, dont 30 jeunes couples et 12 couples. De 30 et de young couples and 12 widows and widowers. La partie civile D22/2974 00 89 10 40 et 41 en anglais et en Khmer, 00 55 92 94 dit ceci. Chaque couple devait échanger ses vœux de mariage l'un après l'autre. On leur a conseillé de s'aimer, de se tâcher d'accomplir les tâches confiées par l'Ankar et de faire leur possible pour produire des enfants pour l'Ankar. La partie civile D22/620 ERN en français 00 90 09 51 anglais 00 89 12 79 et 80 et Khmer 00 49 98 24 et 25 dit ceci. On nous a seulement demandé de nous engager en répétant leurs paroles. Ouvrez les guillemets. Nous sommes désormais devenus mari et femme. Nous devons nous aimer, faire des efforts au travail au service de l'Ankar et faire un enfant pour l'Ankar. Il ne faut pas nous opposer à l'Ankar. Fermez les guillemets. La partie civile D22/1200 92 81 small a ERN en français 00 89 33 62 en anglais 00 89 12 23 et en Khmer 00 58 43 80 et 81 dit ceci states as follows regarding du mariage forcé auquel elle a été marriages. Contrainte et à propos d'un responsable qui lui parle, il m'a dit que l'Ankar allait organiser mon mariage, qu'il fallait accepter la décision de l'Ankar. J'ai refusé en vain. Il me disait que j'avais déjà conclu des accords avec l'Ankar et accepté de respecter toutes ses décisions
Je ne pouvais donc refuser. C'était pendant ma période de rééducation. J'étais en prison, accusé de trahison. Je subissais des séances d'interrogation. La partie civile D22-1067, petit a. ERN en français 00-57-89-77, en anglais 00-84-69-68, Khmer 00-57-89-79-80, dit ceci: vers le milieu de l'année 1978, j'ai été forcé de me marier. On m'a transféré à Ho Khmer, Phnom Penh, pour faire la rizière parce que j'avais une mauvaise biographie. On a rice field because I had a bad biography. À ce moment-là, pour me faire des menaces, on m'a rappelé que j'avais une mauvaise biographie. On m'a dit que j'étais une paresseuse, que mes parents travaillaient pour l'ONNOL, alors je devais accepter le mariage, sinon on me tuerait. J'avais très peur parce que mes parents étaient le peuple du 17 avril. La partie civile D22/3858, petit a, ERN 00-91-69-21, en anglais 00-85-31-76, et en Khmer 00-58-47-96, dit ceci: à ce moment-là, on nous a ordonné de prêter serment et de se serrer la main en disant devant l'ANCAR que nous devions nous aimer et servir l'ANCAR toute notre vie. Et enfin, la partie civile D22/1976, à l'ERN en français 00-89-41-15, anglais 00-89-10-42 et Khmer 00-55-93-20 reprend un des termes évoqués ce matin par M. le procureur à propos du mariage forcé. Elle dit ceci: malgré tout, on m'avait forcé à accepter cet arrangement. On m'avait instruit de ne pas m'opposer à la décision de l'ANCAR puisque celles-ci étaient nos parents. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec l'existence des politiques et je m'arrêterai ici dans le temps qui m'était imparti. Merci. Thank you. President, thank you. I would like now to give the floor to the prosecution to present their key documents on the role of the accused. You may proceed. Sur le rôle des accusés. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, nos collègues arrivent. Présenter des documents sur le rôle de Nguyen dans une ou deux minutes. Nous avons été un peu surpris par la rapidité de la partie civile et donc nous demandons juste quelques secondes de patience. Legal lawyers did their presentation and ahead of time. Simon Kim, thank you, Mr. President. Simon Kim. Merci, Monsieur le Président. As we
only 15 minutes left for the adjournment. Comme nous restons 10 minutes avant la levée de l'audience. And the presentation that we wish to do on the role of the accused Nunchi may last longer than today time. And I'd like to get the discretion of your chamber and the president if we can do it tomorrow or we can do it now. Qui reste. Et c'est pourquoi je demande au président si nous pouvions peut-être President, actually, we already give the floor to the prosecution. Nous avons déjà donné la so that you can present the key documents related to the role of the accused. Les documents clés sur le and of course, we need to expedite the proceeding. And it would be of a benefit if the prosecution side can conclude it tomorrow, and then the floor can be given to the defense. L'idéal serait que so that they can respond l'accusation to all pour que la défense puisse presentation of those documents early next week. Au début de la semaine prochaine. Prosecution, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Once again, good afternoon, Mr. President, Your Honours, and everyone in the, and around the courtroom. Monsieur le Président, I will present some documents in relation to the role, the authority of the accused Nunchi. Et l'autorité de l'accusé Nunchi. At the same time, I seek Mr. President's leave to present the document on screen. À la chambre de pouvoir afficher ces documents à l'écran. And as informed by my international colleague, comme mon due to the early conclusion of the presentation by the lead co-lawyer, we have not prepared ourselves for the partie civile presentation plus tôt this afternoon. Que prévu, nous n'étions pas prêts. À faire notre présentation the documents that we present is in relation to his role as a member of the standing committee of the SPK. Du PCK. My colleague and I actually presented already the minute of the Mon meetings of the standing committee. Le procès verbal des réunions du comité permanent. That is in the document hearing that we held earlier. De la dernière audience. For that reason, I do not wish to present those documents Je again. Ne souhaite donc pas présenter ces documents à nouveau. And then I will present other minutes of the meeting Je of the standing committee. Procès-verbaux des the réunions first du comité document, document is the minutes of the meeting of the standing committee. De la réunion du comité permanent. President, prosecution, please wait. Defense counsel for Nunchi, you may proceed. La parole est à la défense de Nunchi. Thank you, Mr. President. I might be mistaken, but I'm not sure if we receive beforehand the list of documents that the prosecution is intending Avons-nous reçu à l'avance la liste des documents que l'accusation entend présenter sur le rôle de l'accusé Nunchi? Je ne crois pas que ce soit le cas. Oui, Monsieur le Président, il est possible, je Mr. President, demanderai de vérifier que yes. La liste des documents n'ait possible. Pas été communiquée à l'avance, mais en I même temps, il s'agit d'une pratique qui est établie par courtoisie, il ne s'agit pas nécessairement d'une obligation s'agissant de la présentation des documents. En tout cas, nous demandons simplement la compréhension de la Chambre pour les 10 minutes qui restent. La liste, s'il n'a pas été déjà communiquée, le sera en tout état de cause après cette audience. Merci. Allow us to convey the list of documents after the end of this hearing. Thank you.
President, Judge Sybil Cartwright, please take the floor. Thank you. Yes, thank you, President. The President has asked me to indicate that the prosecutors may begin the next stage of their presentation in the morning, while the Chamber acknowledges that providing the list of documents to be presented is a courtesy, it is also extremely helpful to the parties and to the Chamber. So if that could be done between now and tomorrow morning, that would be appreciated. The President wants me to spend the last few minutes of this afternoon asking first the prosecutors and then the lead co-lawyers if the current estimates of the time remaining for each party to present their documents is still one day for the prosecutors and half a day for the lead co-lawyers. Then we will move on to some other scheduling matters. Merci, Madame la Juge. Thank you, Your Honor. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas dépasser la journée qui nous a été allouée et ce sera peut-être un peu plus court qu'une journée. Voilà, merci. It will be somewhat shorter than one day. Thank you. Maître Picong. Your Honors, for our part, we are not present any documents related to the role of the accused. You do not require that half day that has currently been allocated to you. Is that the situation? Est-ce bien la situation? Que se passe-t-il avec la demi-journée qui vous avait été donnée? That is correct. Réponse. Thank you. Well, during this afternoon, the Nguyen Chia defense team has asked for additional time to allow it to prepare to respond to the key document presentation, particularly by the prosecutors. The Chamber does not accept the premise on which the request was made, namely that there has been an extension of the scope of the trial. Nonetheless, the documents have been extensive in number and no doubt contain issues that both defense teams wish to have more time to explore. And the Chamber is prepared to defer the response to the key document presentations made by both the prosecutors and the lead co-lawyers for a period of 1 week. In other words, it will now begin on the 8th of July. The next week will then be filled with witnesses. They are remaining witnesses and witnesses from the additional list that the trial chamber announced at the trial management meeting. That will begin on Monday morning. This requires some organization on the part of WESU, and so I cannot tell you yet which witnesses they will be, but we will make that announcement sometime tomorrow or at the latest on Friday. So that is now the proposed schedule, and unless there is any major issue with any of that, then that will be the trial chamber's decision on the Nguyen Chia defense request and generally on rescheduling. Thank you, President. Does that cover le nouveau calendrier? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que cela couvre tout? The President. Yes, and thank you. Le Président. Oui, merci. Now, it is already the appropriate moment for the adjournment of the day, and the chamber will adjourn, and the next session will be resumed by tomorrow at 9 a.m. During tomorrow's sessions, the chamber will be hearing the presentation of the key documents being presented by parties to the proceedings. And we would like this information to be well informed to the public and parties concerned.
security personnel and I directed to bring Mr. Kyusampan and Nunjia to the detention facility and have them return to the courtroom by 9 a.m., saving Mr. Nunjia, who is directed to bring to only his holding cell where he can observe the proceedings from there through audio-visual link. The court is adjourned.